La qualité de la teinture a baissé. La couleur ne tient pas sur le tissu. C'est vrai. C'est bizarre. Il y a forcément quelqu'un là derrière. Xicheng, l'intendant te cherche. L'oncle. Ouais. C'est bon? Oui, ça va. Xicheng. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ce tissu. C'est quoi cette teinte? Je ne peux pas accepter ça. C'est à cause de la teinture? Elle est moins... Elle est moins quoi? Tout le monde a les mêmes colorants. Regardez, les tissus des autres sont foncés. Pourquoi les nôtres sont si ternes? Non, c'est normal, on a moins de colorants. Il suffit de nous en donner plus. Répète ça! Ces messieurs sont mandchous. Le patron les a fait venir spécialement. Ils sont maîtres teinturiers. Et moi? Sois tranquille. Le patron a dit que tu pouvais rester. Ils vont juste t'aider un peu. Pour ma part, je veux bien essayer. Mais avant... Il faut quand même en parler aux autres. Allons. Pourquoi leur en parler? Tu fais ton boulot. Eux feront le leur et c'est tout. Ça ralentira le travail. Bien sûr. Et les couleurs vont se mélanger, ce sera la pagaille. Ne t'en fais pas. Nous y avons pensé. Nos bâtons de couleur empêcheront ça. Regarde. On n'a pas besoin de bâtons pour teindre le tissu. Il s'appelle les 10 bâtons manchus. Ces bâtons sont particuliers. Ils sont très pratiques. Ils ont le pouvoir d'empêcher les fautes. Le patron veut que, dès aujourd'hui, vos salaires diminuent de 20%. Hey, c'est de la folie! Pourquoi une telle réduction? Ça ne rime à rien! Oh, l'argent qu'on économisera de cette façon servira à les payer eux. Oh, comment pouvez-vous faire ça? Ça s'appelle du vol. Ça ne mène nulle part d'utiliser la violence. Soyez un peu raisonnable. C'est ça la seule raison que je connaisse. J'y vais. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas, je m'en occupe. Chao, Xicheng, ne cherchez pas les ennuis. Un peu de silence, taisez-vous. Silence! Depuis quelque temps, notre qualité s'est fortement dégradée. Le patron a décidé d'engager des spécialistes. Yuan Liu, Chuan Min et toute leur équipe. Ils vous aideront. À cause de ces manchots, ils réduisent nos salaires pour le leur donner. Oui, il a raison. Si
ordonnée du patron. Ceux à qui ça déplaît, ils n'ont qu'à partir. Eh bien, moi, je m'en vais. Chou Shisheng, je m'en vais aussi. Moi aussi, je m'en vais. Je m'en vais, moi aussi. Pareil pour moi. Je m'en vais aussi. Moi aussi, je pars. Oui, je démissionne. Oui, oui, on s'en va. Oui, démissionne. Les amis, attendez. Personne ne bouge. Chou Shisheng, tu te prends pour qui? Tu incites les ouvriers à arrêter le travail. Le premier d'entre vous qui ose passer la porte, je lui brise les deux jambes. Poussez-vous. Non, non, vous allez. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je m'en vais vous casser les jambes. Oh non, laissez-le. Chuan Min, ces femmes te causent du souci. C'est d'accord, intendant. On va leur obéir. On accepte la réduction de salaire. Reprenez le travail. Comment tu te sens? Et venez. Voilà. L'intendant bas a recruté la bande des 10 bâtons. Il baisse nos salaires d'un cinquième. Et en plus, il nous tape dessus. Il n'y a plus de justice. Hé, Shisheng, à mon avis, il préparait ça depuis longtemps. Vieux Li, tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu sais bien qu'on leur apporte beaucoup d'argent. Allons, Shisheng, tu es maître teinturier, les couleurs tu les connais bien. Les teintes qu'on nous donne à travailler sont de piètre qualité. Si on ne réagit pas, on va tout droit à la catastrophe. Ah, très bien. Allons tous ensemble trouver le patron. Ça ne servira à rien. Cette bande des 10 bâtons, c'est lui qui est allé la chercher. C'est vrai. Oui. Vieux Li, si on allait porter plainte contre lui. Oh, c'est encore pire, tu parles. Si tu veux savoir, le patron s'entend très bien avec les fonctionnaires. Tu peux me croire, c'est la vérité. On ne peut pas porter plainte. Si on ne travaille pas, il nous frappe. Si on travaille, il réduit notre paie. D'abord 20%. Après, ce sera 40%. Puis 60%, même 80%. Bientôt, on finira par travailler c'est pour rien. C'est parce qu'on ne connaît pas le Kung Fu. Si on le connaissait... on se serait défendu. Si vous avez mal quelque part, prenez une pilule de Shaolin car elle guérit tout. Échymose. Coup de couteau. Anémie. Une moitié dans l'œsophage, l'autre en massage. Hé, c'est meilleur qu'un bonbon. Ah, laisse-moi tranquille. Pour le moment, je suis d'avis qu'il vaudrait mieux retourner au travail. C'est trop risqué de les provoquer. Achetez ma pilule de Shaolin. Il n'hésiterait pas une seconde à nous frapper encore. Qu'est-ce que vous faites tous là? Allez. Guili. Ça va se guérir ça, tout de suite. Il ne faut pas vous enfermer. Je ne veux pas qu'il est blessé. Alors, mon vieux, vous avez de la chance, je vous offre toute la boîte. Allez. Genji, qu'est-ce que tu mijotes encore? Frérot, votre métier n'a rien à voir avec le nôtre. Quand on se déguise, il faut que ce soit vraiment ressemblant. En taoïste, faut un chignon. En aveugle, faut montrer le blanc de l'œil. En moine, faut se raser le crâne. Si on veut piéger les idiots, il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez fini le travail? Oh là là, Genji, notre patron a engagé des Manchus, une bande de vauriens. Il va réduire nos salaires de 20%. Du coup, ton frère s'est disputé avec eux. Regarde, Shao a été blessé. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu fais, espèce de charlatan? Fiche-nous la paix, laisse-nous. Oh, tu me traites de charlatan? Tout ce que je vends vient directement de Shaolin. Tu crois vraiment que tu es un moine de Shaolin? Pourquoi j'en serais pas un? Tous les moines de Shaolin connaissent le Kung Fu. Et ça, c'est pas du Kung Fu? C'est magnifique. Tu vas venger Shao, n'est-ce pas? Pas de ça, tout doux. Mon Kung Fu à moi, faut pas lui demander ça. Il est au service de l'harmonie. C'est quoi ce Kung Fu? Mon Kung Fu me nourrit. Arrête de dire des âneries. Non, ça suffit. Genji,
On rentre. Cher bienfaiteur, le moine de Shaolin s'en retourne. Li Tse a donné deux telles. Bouddha soit loué. Depuis quelque temps, le monastère de Shaolin a grandement besoin d'être restauré. Nous vous demandons un petit geste. Non, non, je n'ai rien. Mes chers bienfaiteurs, un bon geste, vous serez récompensés. Cher bienfaiteur, il est là, tu vois. C'est bien lui. On va lui parler. Merci à vous. Ça va marcher? T'en fais pas. 3 onces de plus. Patron, patronne, depuis quelque temps, le monastère de Shaolin a besoin d'être restauré. Chou Genjie, c'est vous? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, quand tu te déguises, on y croirait. Oui, ben oui, ça va de soi. Comment ces idiots... Sinon, comment vous voulez que ces idiots me confient leur monnaie? Toi alors, tu es doué. Tu vas te déguiser en moine. On a vraiment besoin de toi. Et tu vas nous aider à évacuer notre rancœur. Faut pas compter sur moi. Je tiens à vivre encore quelques années. Hé, hey, est-ce que Shisheng est ton frère? Oui. Est-ce que tu es notre camarade? Oui. Il nous méprise, il se moque de nous. On te demande de l'aide. Ça me concerne. Alors il faut que tu viennes nous aider. Qu'est-ce qui vous prend? Vous savez bien que je ne suis pas un moine de Shaolin. Un déguisement, tu sais ce que c'est. Et justement, c'est ça qu'on veut. Tiens, allez. C'est réglé, allez, viens, on va t'expliquer. Tu n'as oui, rien on à va faire. Marcher, on va t'expliquer. Tu verras, non, oui, j'en ai mis. Que ton bâton sert à surveiller la couleur jaune. Oh. Je connais un jaune spécial. Est-ce que ça t'intéresse? Sois plus clair. Tu te moques de moi? Xiaong! Xiaong! Hé, ne sois pas pressé comme ça. Il y a plein de monde ici. Tout à l'heure, elle va sortir avec ce tissu. Tu la suis. C'est bon. Faites ici. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, pourquoi t'es là? Et toi, Chuan? Chuan, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu c'est pour... C'est une fille, hein? C'est pour ça, pas vrai? Dites-moi, et vous deux, vous avez un rendez-vous galant? Elle s'appelle... La fille au tissu jaune. La demoiselle au tissu jaune? Toi aussi? C'est elle. Bon. Bande de fumiers, vous n'avez aucun scrupule. Vous nous volez notre salaire et vous voulez séduire nos femmes. Espèce de salopard, tu t'es fichu de moi. Arrêtez tous. Tu es qui, toi? Je suis le moine Sande de Shaolin. Le moine Sande? Oh, Bouddha! Bouddha soit loué. Waouh! Quelle technique! Vous venez vraiment de Shaolin? Tout à fait. Ah, c'est pas étonnant que vous sachiez voler. Pourquoi vous battez-vous? La bagarre ne résout rien. Il est bon. Oui, je trouve. C'est une chance que vous soyez là. On travaille à la teinturerie de Tsantai. Eux sont de la bande des 10 bâtons. Dès qu'ils sont arrivés à la teinturerie, le patron nous a réduit notre salaire pour leur donner. Je les massacre. Oh,
n'êtes qu'un tas de brutes. Si je n'avais pas fait preuve de clémence, vous seriez déjà mort, ou au moins blessé. Ouvrier, venez là. À propos de vos baisses de salaire, moi, humble moine, j'intercéderai au nom de la justice. Ah, merci. Sunday. Rentrez dire à votre intendant que je viendrai lui rendre visite. Venez. Ils sont partis. Frère, chef, je viens de rencontrer un moine Shaolin. Quel moine? Le moine Sunday. N'est-ce pas le responsable de la 36e chambre? C'est ça. Pourquoi es-tu nerveux? On n'a rien à voir avec lui. Chao Shisheng et sa bande lui ont demandé de venir. À la teinturerie. Quoi faire? Il veut s'opposer aux 10 bâtons. Qu'il vienne! Nous lui réglerons son compte. Frère Liao, son kung-fu est incroyable. À ce point-là? Est-ce que vous vous êtes battu? On s'est pas battu. Non, mais il nous a fait entrevoir sa technique. Il est agile. Il a de la force. C'est impressionnant. À mon avis, on ne fait pas le poids. Alors comme ça, il veut rétablir la justice. Où est-il maintenant? Dehors, à la porte, il attend une réponse. Hein? Il nous cherche vraiment. Chers amis, n'ayez pas peur. Nos salaires ne seront pas diminués. Oh, nous avons fait venir un grand moine. Attention, reculez, reculez, vite. Vous en avez marre de vivre? Allez vite au travail. Chao, qu'est-ce que tu mijotes? Les 10 bâtons sont là. Retournez au travail. Entrez, vénérable. Bouddha soit loué. Ce vénérable arrive de Shaolin et il s'appelle Sunday. S'il vient aujourd'hui nous faire cette visite, c'est dans le but louable de rétablir la justice. Shao! Comment, devant le moine Sunday, as-tu osé mentir sur notre teinturerie? Ici, tous les ouvriers travaillent dans la joie et la bonne humeur. Intendant Ma, vous avez réduit notre paix pour les Manchus. Vous dites n'importe quoi. C'est vrai, oui, vous avez raison. Arrêtez! Que tout le monde m'écoute. Essayons plutôt de discuter. Intendant, je ne peux pas approuver un tel comportement. Les Manchus sont des humains. Nous, les Chinois également. Pourquoi sont-ils payés alors qu'ils ne font rien? Et nous, qui travaillons si durement, pourquoi sommes-nous moins payés? Oh! Ignorez-vous que c'est la dynastie Qing qui gouverne? C'est normal que les Manchus soient favorisés. Vous vous appuyez sur les Manchus et leur pouvoir afin d'opprimer les ouvriers? Mais je n'ai jamais dit ça. S'ils trouvent que leurs salaires sont insuffisants, ils peuvent démissionner. Hein? On veut s'en aller, mais si on essaie, vous nous tapez dessus. Il a raison, vous nous battez dessus. Intendant, bonté et méchanceté ont leur juste rétribution. Bouddha soit loué. Vénérable Sunday, c'est la cour elle-même qui a envoyé ici les 10 bâtons. C'est pourquoi je vous prie de ne pas vous en mêler. Ceci dit, si vous souhaitez un don, je peux m'arranger. Combien voulez-vous? Allez, donnez-moi un chiffre. 50 à elle? 10, 20, 30, 40... Hé! Vous croyez corrompre un moine? Allez-y! Non! Il ne faut pas avoir peur. Arrête-toi! C'est mal d'utiliser la violence. Intendant, j'ai raison, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Si. Oh, miséricorde. Bienfaiteur, revenez dans le droit chemin. À compter de cet instant, vous leur verserez le même salaire qu'avant. D'accord. Mais... Vénérable Sunday, je vais faire comme vous dites. Que Bouddha soit loué. Reconnaître ses fautes et se corriger est beau et digne. Merci. Vous tous, écoutez-moi attentivement. Vous serez rémunérés comme par le passé. Vous pouvez reprendre tranquillement le travail. Vous êtes très fort, vénérable. Merci. Je vous en prie. Ah.
Shisheng, malgré les arts martiaux de Jinji et notre idée de génie, cette bande de vauriens, au début, ils ne voulaient rien savoir. Mais à la fin, ils ont été bien obligés de céder. Chut, taisez-vous. C'est pas que je veux me vanter, mais quand je me déguise en quelque chose, c'est ressemblant, même si c'est en femme. J'aurai cet automne mes fins printemps, mais jamais, jamais je n'ai effleuré la main d'un homme. Buvons. Jinji, ne sois pas si vantard. Tu as réussi à les duper, tu as eu de la veine. S'il t'avait démasqué, tu rirais moins. Et... regarde-moi, ma méthode n'a jamais, jamais connu d'échec. Jinji, calme-toi, on a retrouvé nos salaires, on est soulagés. Allez, faut arroser ça, allez, on trinque. Le moine Sandé est censé rester au monastère. Qu'est-il venu faire à Canton? Quand il est arrivé, j'étais là. Je l'ai vu de mes propres yeux, patron. Il est incroyable! Autrement dit, vous avez eu peur de lui. Si vous voulez mon avis, il faut voir loin. Ne réduisons pas leur salaire pour le moment. Vaut rien. Patron Wang, la réputation de Shaolin est considérable. Si j'avais humilié ce moine... le cœur de l'ensemble des ouvriers aurait penché en sa faveur. Avec l'aide de vos relations à la cour, maintenant, le problème sera vite réglé. Ces moines de Shaolin devraient s'occuper de leurs affaires. Attendons un peu. Dès que le moine sera parti, on rétablira les réductions. Soit, faisons ça. C'est réglé, vous pouvez vous retirer. D'accord, vos ordres. Allez, allez. Un instant. Vous vous êtes battu contre lui? Non, patron. Alors, vous vous êtes contenté d'une démonstration? Il peut se voler, D'accord. Demandez à ce moine de revenir. Je veux voir ça. À vos ordres. On reste calme. Maître, c'est la folie. Non, non. Patron Wang, le vénérable Sandé est là! À qui ai-je l'honneur? Mon nom est Sandé. Oh, et vous venez de... du monastère de Shaolin. Oh, vénérable, tout ce chemin jusqu'à Canton, c'est pour prêcher, récolter des dons, ou bien pour... les deux à la fois. Je crois que vous oubliez encore quelque chose. Ma tenue est complète, je n'ai absolument rien oublié. Je voulais juste ajouter que vous veniez aussi pour diffuser le kung-fu. Je donne quelques cours, mais c'est rare. Pour tout vous dire, j'ai un certain regret. Je n'ai jamais eu la chance d'apprécier votre dextérité. Ah, ça c'est facile! Ah, ciao! Vénérable, je serais comblé si vous me montriez vos talents. S'il vous plaît. Oh, cette pierre est vraiment tranchante. Quelqu'un pourrait s'ouvrir le pied avec. Très bien. Excellent kung-fu, excellent. Votre art de la légèreté est sans pareil. Vous étiez tellement loin, et pourtant vous avez vu cette pierre. L'acuité de votre vision est remarquable. Oh, cela n'est qu'un kung-fu de foire. Autrement dit, la force intérieure de votre kung-fu doit être extraordinaire. Montrez-nous. Vous n'allez pas nous refuser cet honneur. Parfait. Ouais, le kung-fu intérieur, voilà. À votre service. Je ne vous demande pas de frapper les ouvriers. C'est nous qu'il faut frapper.
Quand je tape, je suis très violent. Pour jouir du privilège de vous voir, j'accepte même de mourir. Allez-y. Eh, bienfaiteur Wang, un moine recherche avant tout l'harmonie. Si le kung-fu vous intéresse tant que cela, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons au monastère. Nous n'irons pas plus loin. Votre très humble serviteur se retire. Eh, attendez. Vénérable Sunday, votre kung-fu vous a amené ici. Pourquoi ne pas repartir de même? Je préfère prendre l'escalier. Le kung-fu du vénérable Sunday. Vous avez vu ce que c'est? Sunday! Oh, inutile de m'accompagner. Ne bougez pas! Attendant, ne me forcez pas à me battre. Si je veux que tu te battes. Attendant, on va discuter. Je n'aime pas du tout les bâtons. Repousse-nous avec ta force intérieure. Où il est ton kung-fu de Shaolin? Quoi? C'est le kung-fu du crapaud, ta spécialité? Saleté. Votre vénérable Sunday de Shaolin n'est qu'une tortue, vous le saviez? Maître, ton kung-fu, où il est? Crâne d'œuf, tu nous as bien embêtés. Viens! Patron, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Oh, il vous a fait peur avec son faux kung-fu. Rendez-lui la politesse avec du vrai. Tu veux encore me jouer un tour? Intendant, frère Chuan, je peux vous dire qu'il ne tiendra pas le coup. Il vaut mieux que vous le relâchiez. Et en échange, chacun d'entre nous vous fera des excuses. Oh, oui, je vous êtes d'accord? Pas question! Je me moque de vos excuses. Frère Chuan, je vous supplie de l'épargner. Oui, il n'y est ce pour rien. Ce qui me trompe le paix. Allons l'aider. Tous ensemble. Regarde-moi dans quel état ils l'ont mis. Violine, allez, allez, du balai. Regarde-moi. Ta blessure, comment ça va? Tu te sens mieux? Le vénérable Sunday du monastère de Shaolin s'est fait démasquer. Je vous avais prévenu. On peut diper les gens une fois, mais pas deux. On s'est fait battre comme des tapis. On est bien avancé. Après cette histoire, on va tous perdre notre gagne-pain. Shisheng. Vénérable Sunday, qu'est-ce que tu veux encore? Grand frère, jamais je n'aurais imaginé vous compromettre ainsi. Ne dis plus rien! Genji, essaie d'être comme nous, de te contenter de ton sort de travailleur, au lieu de t'obstiner à escroquer les gens. Et toi? Tu as un travail, une vie réglée, et alors? Il est là, le résultat! On vous bat! Tu trompes le monde, c'est normal qu'on te batte.
C'est ton affaire, mais ce coup-ci, d'autres gens souffrent par ta faute. Oui. Je n'aurais pas dû vous compromettre. Pourtant, la première fois, j'avais réussi. Les salaires n'ont pas baissé. Il ne fallait pas assister. Qui a voulu qu'on remette ça? Je ne connais pas le kung-fu. Je sais rien faire. Qu'est-ce que tu attends pour apprendre quelque chose? D'accord. Je te jure que je vais le faire. Mais quand je saurai, faudra pas venir me chercher. Shinji! Cho Shinji-e? Cette fois-ci... En quoi vous voulez que je me déguise maintenant? En vénérable de Shaolin? En taoïste de Wudang? Peut-être en sourcil blanc? Ou bien en mandarin manchou, gouverneur de province? Dites-le-moi! Allez-y, dites-le-moi! En quoi vous voulez me voir? En quoi je me déguise? Mes déguisements sont parfaits. Hein que c'est vrai? Oui. Oui. Regarde-toi! Le tien aussi, tu es déguisé comme quelqu'un qui a été blessé. Shenji, Shao est blessé, ce n'est pas un déguisement. Xiaohong, la blessure de Shao est réelle. Alors que mes déguisements, ce ne sont qu'illusions. Pourquoi faut-il que je trompe les gens? Mais tu ne dois pas tromper les gens. Mais si je le fais pas, comment je vais montrer que je suis le meilleur? Le kung-fu. Et que je sois ridicule? Je connais pas le kung-fu, tu sais bien. Apprends-le. Et dis-moi où? Au monastère de Shaolin. Oui. Au monastère de Shaolin. Pourquoi vous y allez pas, vous? Les 10 bâtons m'ont estropié. Tu veux que nous, les femmes, on se rase le crâne pour y aller? Le monastère de Shaolin. Et vous croyez qu'on y rentre comme ça? Shenji, peut-être pas les autres, mais toi, tu peux. Je peux? Hé, tu t'habilles en moine et tu te faufiles à l'intérieur. C'est ça. Que je m'habille en moine? Shenji-e! Shenji-e, tu ne vas pas te contenter de nous regarder prendre des coups le reste de notre vie! C'est vrai! Quand tu connaîtras les arts martiaux, on n'aura plus besoin de tromper personne! Tu as raison. Mais même si j'arrive à rentrer, ça va durer des années. Qu'est-ce que ça fait? On attendra le temps qu'il faut, que tu reviennes et que tu nous venges des manchous! Non seulement ça! Dès que je reviendrai de Shaolin, à tous, je vous apprendrai les arts martiaux! Et comme ça, on pourra enfin nous respecter! Exact! Bouddha soit loué! Au large! Je suis un authentique moine maintenant. Je ne puis y approcher les femmes. Je puis, moi. Ah ah, elle me tape. À l'aide. Au secours. Qu'est-ce que tu fabriques? Va battre le grain. Hein? Battre le grain? Porte ça là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Si vous continuez, je vous fais porter 5000 livres de grains chacun pour vous punir. Vénérable moine. Vénérable? Dis-moi, vieux moine, comment as-tu appris à ces gamins à battre le grain? C'est ma faute. Je ne suis qu'un vieux moine incapable. Assez de battage pour aujourd'hui. Rentrez avec moi au monastère de Shaolin. À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter un vénérable de la sorte? Vénérable, n'essaie pas de nous tromper. Si je te reprends à te déguiser en moine, je te suspends au grand arbre là-bas. Va-t'en d'ici.
Bon, c'est fini. Reprenez votre travail. Allez, allez, allez. Ce groupe de moines apporte des légumes verts au monastère? Maître, cette poudre, il ne faut pas en abuser. Oui, oui, je sais. Et vous... Hein? Je me suis converti quand j'étais tout petit. J'ai eu peur en voyant le bâton d'encens, j'ai bougé la tête, ça a brûlé de travers. C'est pour ça? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, allez. Plus vite. Allez, allez, dépêchez-vous. On ne traîne pas, allez. Il y en a encore un. Un traîneur. Oh, pas la peine de m'aider. Toi, où est-ce que tu vas? Au monastère de Shaolin. Dans quelle cour te rends-tu? La cour de Shaolin. Des 36 chambres, tu dépends de laquelle? En fait, je cherche la cuisine. La cuisine? Dis donc, attends. Est-ce que tu t'es bien renseigné? Bien sûr, on peut pas être plus renseigné. Allez, venez. Tu le crois? Alors, ah, attends, on le suit. Arrête-toi, ça va. Arrête-toi. Vous êtes pénible. Tu es sûr que c'est vrai? Écoute pas comme ça. Je vous jure que je me suis renseigné. Celui qui veut apprendre le kung-fu à Shaolin doit être plus que brave. Et tu leur as dit qu'on était plusieurs. Mais Sandé a concocté une règle spéciale pour les laïcs. Ah oui? Quand ils ont passé un an au monastère, il leur permet de rentrer chez eux. Et pourquoi? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il veut savoir s'ils sont persévérants et s'ils tiennent le coup. Et pour ceux qui craquent, ils n'ont plus besoin de revenir. Et ceux qui craquent pas? Alors là, il leur fixe une date précise pour revenir au monastère. Alors c'est pour quand? Pour demain. Demain? 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a la douzaine. Merci. Où je vais me trouver des cheveux? Excusez-moi, je vous avais pas vu. Hey.
Dans la 36e, c'est pas facile. Ouais, je me suis tuyauté. Il faut bien suivre la file des moines et ça ira. Dépêchez-vous de partir. Allez, filons. Allez. C'est toute l'allée, et ils ont pas laissé d'empreinte. Ça, c'est du kung-fu. C'est prodigieux. Excellent kung-fu, c'est magnifique. Cette technique de la 36e chambre, qui consiste à prendre appui sur les pierres et à survoler le sable, c'est tout simplement magnifique. Bouddha soit loué. Bouddha soit loué. Frère, pardonne ma curiosité. À quelle chambre tu appartiens ? Oh, je suis envoyé par le monastère de Shaolin du Nord afin d'étudier la 36e chambre et la prendre pour modèle. C'est un plaisir. Nos deux monastères sont très liés. Puis-je te demander quelle est la discipline qui t'intéresse ? Le Kung Fu. Oh. À Shaolin du Nord, nous possédons également cette épreuve, mais nous ne l'utilisons pas de la même façon. Quelle est la différence ? Notre méthode s'appelle corps contre corps, pied contre pied. Hein ? Corps contre corps ? Une petite démonstration. Avec joie. Allez. Pourquoi est-ce que tu me tires le col? C'est une des 20 techniques pour ne pas se casser la... Mais c'est quoi? Tu ne confondrais pas avec les 20 façons de tomber? De quoi tu te mêles? Avance! C'est quoi cette technique? Ça s'appelle Tripitaka traverse le torrent. Ah, bizarre, Tripitaka traverse le torrent. Arrêté par un furieux torrent, son second disciple le porta et ils passèrent comme ça. Son second disciple, qui c'était? Chou, le cochon. Quoi? Tu me prends pour un porc? Bouddha soit loué. Frère qui vient du Nord, ta technique corps contre corps est en tout point remarquable. Je suis flatté, merci. Qu'avez-vous d'autre à me montrer? Tu le découvriras après être entré. Frère!
Elle va pas s'ouvrir. Insiste. Comment ça? Comment vous voulez que je l'ouvre? Elle fonctionne pas. Je te les rends. La porte n'est pas cassée. C'est vrai, on dirait qu'elle refonctionne. Ne riez pas. Tu viens du Nord? Je viens de Shaolin du Nord. Et ils n'ont pas de disciples laïcs? Oh, ça c'était vrai avant. Maintenant, ils en ont recruté. Disons que tu as les qualités requises. Tu as réussi à franchir l'allée de sable. On va te considérer comme un demi-disciple. Merci, maître. Plus tard, il te reste à passer la porte de la 36e chambre. Soit loué. Bouddha soit loué. Puis-je vous demander votre nom? Mon nom monastique est Sande. Oh, Sande! Oh. Jeune homme, quelles sont tes intentions? Oh, je suis venu ici exprès pour vous rencontrer. Et que puis-je faire pour toi? Me prendre comme disciple! Oh. Soyez mon maître! Acceptez-moi comme disciple! Je vous en supplie! Je veux être d'où votre disciple! D'où est-ce que tu viens? Du monastère de Shaolin du Nord. Et depuis quand recrute-t-il des laïcs? Je viens du village à côté du monastère. Comment as-tu fait pour parvenir jusqu'ici? Comme ça, j'ai marché sur les traces de pas, j'ai défoncé le placard en sang, puis j'ai repoussé la porte en fer. Tu as la tête toute noire. Oh, mes cheveux sont déjà blancs, alors j'ai préféré les teindre. Je vois. Si tu veux être mon disciple, il faut d'abord te laver la tête. Merci, maître. Sande, maître, ma tête, je me la lave là. Bon, ben j'y vais. Lâchez-moi, lâchez-moi, je veux me laver. Ils veulent pas. On ne lave pas son corps avec l'eau qui sert à laver le linge. Alors, je...
Vous voulez que j'aille là? Ne trouble pas l'eau propre. Prends lait et lave-toi en bas. Oui. Laisse le faire. C'est pas facile, maître. Arrêtez-vous. Nous allons laisser ce puits à la disposition de notre frère du Nord. Vous autres, vous vous servirez désormais dans le puits du dragon. À vos ordres. On dirait que le maître se soucie de moi. Il n'aurait pas deviné? Pas possible. Prêtez-moi un seau. Un seau, un seau. Allez-vous-en. Frère, j'en ai besoin. Maître Sandé, ils n'ont pas laissé de seau. Comment vais-je me laver la tête? C'est de l'eau, n'est-ce pas? Puiser avec une pierre? On n'a jamais vu ça nulle part. Je n'ai que cette pierre. Si je la jette dedans, je n'aurai plus rien. L'enlève la nuit. Comment faire? Il n'y a toujours pas de seau. Oh! Idiot! Il n'y a qu'à la retirer.
À Shaolin du Nord, il n'y a pas de poule mouillée. On n'attaque pas par derrière. Montre-toi. Lestez une lettre avec un caillou. Un truc vieux comme le monde. Qui ne cache rien est vertueux, qui dissimule commet le mal. Sandé. Sandé, je veux vous voir. Je commets pas le mal. Je prendrai la pierre, d'accord, hein? Étaient roux. Je les ai lavés pour rien. J'aurais dû dire que j'avais les cheveux roux. Pourquoi j'ai dit qu'ils étaient blancs? Oh, qu'est-ce que tu fais? Cette fois, je vais être chassé du monastère. Mais oui. J'ai la tête propre, j'ai réussi à les laver. Est-ce que tu as réellement les cheveux blancs? Oui, maître, pourquoi? Ne touchez pas. Maître, j'ai les cheveux blancs, je vous assure. Maître!
Maître, je vous demande de me pardonner, mais se laver avec une pierre, eh ben, c'est très difficile. Je le ferai plus! Je le ferai plus! Je vous jure que je le ferai plus! Bouddha soit loué! Cho Zhenjie, tes manigances pour entrer dans la 36e chambre, il y a longtemps que je suis au courant. Si vous saviez. Je n'ai plus qu'à partir. Attends un peu. Je sais bien que vous voulez me chasser. Tu fais erreur. Je veux que tu restes. Oh, merci de m'accepter, maître. Je n'ai pas dit que je t'acceptais. Cela fait déjà longtemps que le repas t'est offert. Tu dois faire quelque chose pour le monastère. Oui, oui, ce que vous voulez. Tous les 10 ans, on restaure les bâtiments. Je te charge de monter l'échafaudage de notre chambre. Oh. Vous voulez que je monte l'échafaudage tout seul? Oui. Dans tous les endroits où un échafaudage est nécessaire, c'est toi qui le monteras. Maître, la 36e chambre, mais c'est très grand. Ça va me prendre beaucoup de temps. Eh oui, tu le montes ou pas? Non, évidemment. C'est non? D'accord, je vais le monter. Maître, bonsoir. Yep.
Genjie. Maître? Je t'ai déjà dit que tu ne pouvais pas pénétrer ici avant l'achèvement de l'échafaudage de bambou. Maître, j'ai pas posé le pied par terre, je suis pas vraiment entré. Vous voyez bien que je suis seulement sur le poteau, c'est pas pareil. Tu fais exprès de perturber l'entraînement? Non, non, maître, je ne perturbe pas, je les empêche pas de s'entraîner, ils peuvent tout à fait continuer. Entraînez-vous! Allez, reprenez! Ne vous arrêtez pas! Allez, allez! Plus vite que ça! Reprenez! Allez, allez, dépêchez-vous! Oh, maître! Oh, arrêtez, arrêtez! J'ai la tête qui tourne! Ne faites pas ça! Arrêtez de me faire tourner! Maître! Arrêtez! Oh, Remets-toi au travail! Combien de temps? Est-ce que tu as une idée? Oh, ça fait un peu plus d'un an! Pour monter un échafaudage, ne crois-tu pas que c'est un peu long? Maître, je n'ai pas lambiné! J'ai échafaudé tout le temps, dans toutes les postures! À gauche, à droite, sur le ventre, sur le dos, debout! J'ai pas arrêté un instant! Vraiment? Parfois, il m'arrivait de le regarder en douce s'entraîner. Croyez-moi, j'ai pas traîné assez!
Maître Sandé! Je vous garantis que c'est du solide. Je ne doute pas que tes échafaudages soient solides. Je veux maintenant que tu les démontes. Comment démonter ça? Quand même pas! Si. Et quand tu auras fini ce travail, tu pourras t'en aller. Faut que je les démonte et en plus vous me chassez? Maître, ça vous amuse de me traiter comme ça? Genjie, tu es insolent. Écoutez, je croyais qu'une fois que j'aurais fini, vous me prendriez comme disciple. Mais vous voulez que je démonte tout et que je m'en aille? Je dis que vous vous moquez de moi. Tu oses répliquer à un maître du monastère de Shaolin? Sais-tu que je pourrais te punir? Me punir? Homme expédientiel? Toi! Je quoi? Tous les moines de Shaolin ont un minimum de jugeote, sauf vous apparemment. Tais-toi! Va-t'en! Ce serait trop facile, je m'en irai pas. Un moine qui attaque en traître, c'est du joli. Je le refixerai, c'est pas bien méchant. Je ne m'en irai pas. Quoi que vous fassiez, je ne partirai pas, je vais rentrer dans la 36e chambre. Je veux apprendre le kung-fu. Du début à la fin. Alors, tu t'en vas? Je m'en irai pas! J'ai dit que je resterai, je resterai! Zut. Je vous réparerai ça. C'est vraiment pas gentil de me chasser, mais je partirai pas, je veux apprendre le kung-fu. Je repasse entre les pieux si vous voulez. Tant pis si je brûle. Va-t'en. Maître Sandé, gardez-vous bien. Hé, tu rinces un petit coup? Ça marche les affaires ces temps-ci? Ça va, pas trop mal. Tiens. Hé, ça va pas, il y a quelqu'un là en dessous. Tu m'asperges. T'es aveugle ou quoi? Vous avez une jolie ligne de vie, elle est longue. Vous avez aussi le visage rouge. Vous allez recevoir de l'aide. Venez voir ça, venez en acheter. Je vous emmène. Regardez, ils sont tous chauds. Ils vont pas cher. Je vous en doutais, vous, monsieur. Partez pas comme ça. Allez, allez, c'est bon et pas cher, allez. Hé, j'ai des cacahuètes. Yeah.
Bougez pas. Calme-toi, j'en ai volé deux ou trois, c'est rien. Bah ouais, on peut pas dire que c'est du vol. Du vol? Ah, ciao. La prochaine fois que tu auras un déchargement, on te donne un coup de main, c'est tout. Vous avez changé de travail? Mais non, on est toujours des coulis. Si un jour ta marchandise se renverse, eh bien, on viendra te donner... Tu me donneras quoi? Cho Genji, c'est toi! T'es revenu! Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es fou! Genji, André! Genji est de retour! Genji est de retour! Et tous, venez vite! Venez! Cho Genji est de retour! Genji! Violi! Xiaoqing! Petit! Liu Chang! Xiaowang! Genji! Vous avez tous changé de métier? Oui. Oui. Et mon frère? Il est chez lui. Il est chez lui? Tout est ma faute. C'est à cause de moi que vous en êtes là. Vous n'avez plus de travail. Comment vont vos affaires? Genji, ce quartier est fréquenté par les ouvriers de la teinturerie. Ils sont à plaindre. Ils ont peu d'argent, de moins en moins. Comment veux-tu que nos affaires aillent bien? Encore la bande des 10 bâtons. Et alors, 10 bâtons ou 20 bâtons, pour toi, ça ne change rien. De quoi tu parles? Tu n'as plus besoin d'avoir peur de Wang Kao Feng, maintenant que tu connais les arts martiaux. Je n'ai pas appris le kung-fu. Quand tu ne savais pas te battre, tu avais l'air de connaître le kung-fu. Et maintenant que tu sais, tu veux nous convaincre du contraire? Cette fois, je ne mens pas. Au monastère de Shaolin, je n'ai pas appris le kung-fu. Hein? Et qu'est-ce que tu y as fait pendant tout ce temps? L'entraînement des yeux, des oreilles, de la tête? Ah oui, qu'est-ce que tu y as fait? Mais non. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Des échafaudages. Genji, ce n'est pas le moment de plaisanter avec nous, je t'assure. C'est pas vrai, dis-nous simplement que c'est pas vrai. J'ai honte de moi. J'ai passé plus de 3 ans là-bas. Je n'ai pas touché au kung-fu. La seule chose que j'ai apprise, c'est à faire des échafaudages. Et pourquoi tu es revenu si tu n'as rien appris? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis parti parce qu'on m'a chassé. Shao, est-ce que ça va? Shao, tu te fais mal? Comment ça va? Et comment je suis arrivé ici? C'est Genji qui t'a attrapé et t'a jeté en l'air. M'a expédié jusque là-bas? Il connaît le kung-fu. Ah oui, c'est clair, il a appris le kung-fu. C'est vrai, il t'a jeté en l'air. Vous avez vu ça? Si c'est vrai, pourquoi il veut pas qu'on le sache? Ne pleure pas, mon bébé, sois sage. Ne pleure pas. Frère. Shisheng, je suis rentré. Tu es revenu de Shaolin? Oui. À Fen, Genji est revenu de Shaolin? Oui. Et Genji? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as? Et presque rien. À chaque instant, on espérait te voir apparaître. Toi et ton kung-fu de Shaolin. Enfin, ce moment est arrivé. À Fen! C'est vrai. On avait hâte que tu reviennes pour venger enfin les ouvriers de Xiantai. À Fen! Wang Guofeng et sa bande nous ont fait vraiment trop de mal. Cette fois, on va leur rendre œil pour œil, dent pour dent. Bientôt, ils en verront de toutes les couleurs. Tant mieux. Shisheng. À Fen. Je ne connais pas le kung-fu. Mais... Personne ne me l'a appris! Menteur! Je ne vous ai pas menti! Il veut plus nous aider! Je vous jure que j'ai pas appris! Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est toi qui les tiens et tu veux qu'ils te lâchent? Je vais te fuir! Quel kung-fu! Shao, est-ce que je t'ai fait mal? Ah, bien sûr que non! Si t'avais tapé avec ça, je serais déjà à l'agonie!
Vous avez vu? C'était du kung-fu ce que j'ai fait. Écoutez tous. Alors je vais tenter encore une ou deux passes. Quelques volontaires? Un à la fois. Vous arrivez à bouger encore? Ça, c'est du kung-fu. Ta technique est pas mal du tout. Activez-vous. À notre départ, hein. Ça suffit, t'en dors pas. Plus vite. Tu fais exprès ou quoi, fainéant? Voilà ton argent, allez, va-t'en. Au suivant. Allez, restez pas là. Toi. Bon. Encore baissé. Hey, plus ça va et plus nous retire, on va plus rien avoir. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Reprenez le travail, non. Plus vite que ça. Intendant. Allez, un peu d'air. Dépêche-toi. Hé, hey, vous voulez jeter un coup d'œil? Chut! Laisse-moi passer. Oh, le salopard, il exagère vraiment avec les ouvriers. Qu'est-ce que vous voulez? On n'embauche pas! On est venu te trouver, on voudrait te montrer quelque chose. Ah, c'est toi le petit filou. Hein, quel œil de lynx! Je vous en prie, ouvrez la porte. Allez, poussez fort! Vous n'arrivez pas à ouvrir une porte et vous voulez me défier? Allez-vous-en, on travaille! Second bâton des Mandchous. Tu es... Tu ne me reconnais plus. Tu te souviens de moi? Oh, tu t'étais déguisé en moine. Je me rappelle. Je suis Cho Zhenjie de Shaolin. Cho Zhenjie de Shaolin? J'ai jamais entendu ce nom. Eh bien, tu ne vas pas tarder à le connaître. Je te présente Cho Zhenjie, qui vient tout droit de Shaolin. Espèce d'abruti! Qu'est-ce que vous mijotez encore? Vous êtes des petits malins, bande de nullités, encore des tours foireux. Non, on n'a rien fait, on a juste fermé la porte pour pas que tu t'enfuis. Tu connais le kung-fu? Ah, ça, ce n'est pas du kung-fu. N'ayez pas peur. Cho Zhenjie a appris le kung-fu. Il est revenu exprès pour nous venger. Bougez pas. Oh, joli kung-fu. Il y a l'intendant là. Encore toi. À tes ordres. Attaque!
Il l'a ficelé. Hé, c'est quoi cette technique? Le kung-fu de l'échafaudage. C'est pas une technique de combat. Tes connaissances sont très limitées. En voici un petit aperçu. Vous allez maintenant restituer à tous ces ouvriers leur salaire dûment mérité. Imbécile! Monsieur l'intendant, est-ce que mon kung-fu t'a convaincu? Est-ce qu'il est réel? Si vous voulez éviter que cette histoire n'aille trop loin, il faut que vous rendiez tout l'argent que vous avez prélevé sur leur salaire. Tu rêves? Jamais! C'est toi qui t'es fait passer pour le moine Sande. Exact. Mais maintenant, je suis moi, l'authentique Cho Zhenjie, qui arrive directement de Shaolin. Oh, pas étonnant alors que tu te battes si bien. Je ne suis pas ici pour régler des comptes. Cela fait 3 ans que les ouvriers voient leur salaire diminuer. J'aurais aimé que vous les rajustiez. Oh, j'ai bien l'impression que je vais tâter d'un peu de kung-fu de Shaolin. Je m'en doutais et je me suis préparé. Je vous en prie, allez-y, allez-y, après-vous, après-vous. Oh, chers amis, le patron a un contretemps. Un jour de vacances. Patron Wang, c'est l'endroit le plus commode pour une démonstration. Chao Zhenjie, quelle technique as-tu apprise à Shaolin? Montre-nous tout ce que tu sais. Si vous ne l'aviez pas demandé, j'aurais été très vexé. Oh, je t'en prie. Yeah!
Poursuivez-le. Amusant. Wang, arrêtons-nous ici. Si je continue à vous montrer ce que je sais faire, vous risquez d'être blessé. Qu'on s'arrête. Si je ne me maîtrise plus, je peux vous blesser. Ou vous tuer. La force que j'utilise, elle ressemble au salaire de vos ouvriers. Elle n'était que de 60%.
elle doit approcher les 70%. Maintenant, je suis à 80%. Maintenant, 90%. D'accord, Cho Zhenji. Je m'incline. Patron Wang, vous êtes sincère? Oui. Je m'incline. Patron Wang, je suis heureux que vous vous décidiez à revenir dans le droit chemin. Votre patron est un peu fatigué. Emmenez-le se reposer. Pardon. N'oubliez pas, il faut verser aux ouvriers 100% de leur salaire. Oui.